L'invité de ce 13h est un confrère, mais cette fois avec la casquette d'organisateur d'événements culturels, Monsieur Youssef Ouédraogo. Bienvenue. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Vous êtes ici en tant que coordinateur général des FAMA, les FASO Music Awards, édition 2023, la 10e édition. Donc, c'est du 18 au 28 mai prochain. Dites-nous, quels sont les objectifs visés par cette activité quand on sait qu'il y a le Koundé qui vient de se tenir il y a... Oui, je voudrais, avant de décliner les objectifs de FASO Music Awards, saluer le mérite de Folio le Nuage pour le Marley d'Or, mais également Smarty au Koundé d'Or hier. En ce qui concerne les FAMA, je crois que c'est un événement aussi qui vient en complémentarité à ces deux événements pour saluer le mérite, on va dire, l'inventivité et le génie des acteurs donc du monde de la musique, mais des acteurs de l'ombre. Et nous avons estimé à un moment donné que l'artiste est pour nous l'aboutissement d'un travail à la chaîne. Et que avant que l'artiste ne soit mis sur orbite, il y a un certain nombre de métiers de la musique, dont l'arrangeur, le producteur, le manager, l'administrateur culturel, etc., etc. Donc vous avez des hommes de l'ombre qui travaillent pour mettre sur orbite en fait l'artiste. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il y avait donc la nécessité de créer une plateforme pour valoriser ceux que nous appelons les hommes de l'ombre. Et quand on parle des hommes de l'ombre, nous voulons parler des producteurs, nous voulons parler des managers, nous voulons parler des arrangeurs, nous voulons parler des éditeurs, nous voulons parler de l'ensemble des métiers qui composent en fait l'industrie musicale. Alors, nous avons aussi, à travers donc cet événement, voulu créer un pont avec d'autres festivals, hein, parce que vous savez que l'une des problématiques aussi récurrentes donc de notre musique, c'est de pouvoir travailler de sorte à ce que la musique burkinabé puisse être exportée. Mais comment l'exporter? D'abord, il faut susciter donc la consommation de cette musique à travers donc des scènes de diffusion que nous pouvons avoir dans la collaboration avec d'autres festivals. Mais il faut également aussi donner la possibilité à nos lauréats de pouvoir se former dans des unités aussi beaucoup plus professionnelles. Donc voilà autant donc d'objectifs. Et puis autre chose aussi, c'est que la question donc du financement de nos événements constitue donc une épine pour beaucoup d'organisateurs. Et nous avons pensé qu'à travers cet événement, nous pouvons aussi saluer en tout cas l'accompagnement de partenaires, les inviter davantage à soutenir le secteur culturel. Voilà entre autres quelques objectifs qui ont guidé donc le lancement de cette activité, les FAMA. Les FAMA, 10 ans, que retenir? Les FAMA, 10 ans, que retenir, c'est en fait le cadre que nous avons créé pour permettre donc à ces acteurs, à ces oubliés en fait de la chaîne musicale, de pouvoir être mis sur orbite et de savoir que en réalité l'avenir de la musique burkinabé aussi repose sur ces acteurs-là. Aussi, c'est à notre capacité de pouvoir aussi révéler, j'allais dire, un certain nombre d'acteurs qui, sans l'événement, ne seront pas connus. Et autre bilan que nous pouvons tirer, c'est un cadre donc d'émulation pour les acteurs de la filière musique chaque année. Et nous pensons que c'est un événement qui a joué pleinement, donc on va dire, son rôle dans la consolidation, dans le développement, mais dans l'épanouissement des artistes. Vous l'avez dit, la musique c'est un tout et les FAMA vient en complémentarité de tout ça. Tout à Smarty, fait. Sacré, lauréat, mm-hmm. Et quel commentaire vous faites? Non, je crois que Smarty, pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est un artiste que beaucoup de Burkinabés ont découvert à travers le groupe YLN. Et puis par la suite, il a entamé une carrière professionnelle solo. Et d'ailleurs, une carrière qui a été bien appréciée par les Burkinabés. Et je crois que c'est un artiste aujourd'hui pour moi qui peut être l'ambassadeur de notre musique au regard donc de ses performances, au regard donc des qualités individuelles intrinsèques que l'artiste possède. Et ce sacre-là vient certainement être le déclic d'une nouvelle carrière de l'artiste. Et il faut le rappeler que le prix RFI Découverte, on se souvient qu'il lui avait permis donc de faire le tour de toute l'Afrique et du monde. Et donc je crois que ce sacre national vient encore conforter que c'est un artiste sur lequel on peut miser. On pourrait dire que vous voulez jouer les prolongations de Koundé au FAMA. Monsieur le coordinateur, quel est le programme de cette activité prévue du 18 au 20? Alors, nous avons trois activités majeures. Nous avons un panel à l'université de Ouagadougou, c'est-à-dire le jeudi 18 à partir de 15h. Le panel porte sur le thème « Les enjeux de la diplomatie culturelle pour le Burkina Faso ».
et avec beaucoup d'intelligence, qui seront donc à ce panel, dont des anciens ministres et des experts sur la question donc des enjeux culturels. Nous avons la deuxième grande activité, c'est le Fama Off, avec un plateau dédié aux jeunes talents, vendredi donc 19 à partir de 19h au niveau donc du foyer de renouveau à Wayalguin. Et puis nous avons la grande cérémonie de remise donc des prix aux professionnels de la filière musique, c'est-à-dire le samedi 20 à l'hôtel donc Lancaster Ouagadougou, et nous invitons tout le monde à y être présent. On pourrait donc dire que l'industrie musicale est en marche. Tout à fait. Avec toutes ces activités que nous voyons, nous en sommes fiers. Merci, Monsieur Youssef Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes le coordinateur général des FAMA Faso Music Award. Suite de ce journal.